Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la foi de Noin. Et si Adolf Hitler avait eu une descendance pour assurer la pérennité du Troisième Reich? C'est le principe fondateur de cette uchronie. Alors pas question pour le Führer de faire crac-crac bistouquette, hein? C'est par insémination artificielle que 13 enfants ont été conçus, puis confiés à des familles d'accueil le temps qu'ils grandissent, pour n'en sélectionner qu'un seul. Et l'heureux gagnant de ce tirage est Zex, le numéro 6. Mais ce n'est pas lui notre héros. Non, non, c'est Noin, le numéro 9, et son Vant, son garde du corps Théo. Car l'heureux héritier ayant été sélectionné, tous les autres doivent disparaître. Ainsi que ceux l'essayant connu, c'est-à-dire tes villages entiers. Seulement Théo ne va pas se laisser dicter sa ligne de conduite par des soldats SS, tout gradé qu'il soit. Non. Seul le Führer pourrait le relever de sa mission de protection. Il est donc bien décidé à protéger le petit Noin coûte que coûte. Le dessin de ce titre a un style très crayonné, et un trait plume et encre de Chine. Beaucoup de nuances de gris, de hachures et de textures. Les décors sont riches et réalistes. Certains ressemblent carrément à de vieilles photos noires et blancs. Les expressions et les regards sont parfaitement maîtrisés et les tons édonnés. C'est sombre, intense, parfois même glauque. Comme le mangaka colle au réalisme de ces scènes, les personnages changent de tenue d'un moment à l'autre, bah oui. Et ça a pu parfois me perdre un peu, n'arrivant pas toujours à différencier Théo de certains soldats ou autres persos lui ressemblant. À part ça, chapeau, je trouve qu'il y a un vrai travail artistique sur ce manga, et j'ai pris un grand plaisir à parcourir ses pages. Enfin, le trait est aussi incisif et très dynamique, ce qui ne cache rien. Le nez mou est varié et soigné. Le découpage est majoritairement classique, avec des cases rectangulaires et des coupes droites. Mais certains événements sont soulignés par des formes de cases plus originales ou des coupes de biais. Il y a quelques pleines pages et doubles pages qui permettent de profiter pleinement du détail du trait du mangaka. La composition des cases est habile, alternant des plans larges et serrés, les éléments de décor et l'action, ce qui permet de vraiment contextualiser l'intrigue et de bien ancrer le récit dans les lieux et dans l'époque. L'immersion est complète. La jaquette est élégante et donne le ton, dominante de rouge profond, de noir et de ton gris coloré, militaire allemand, croix gammée. On sait de suite dans quel cadre l'intrigue se pose. Elle est fidèle à la jaquette d'origine, dont l'écriture du titre en caractères occidentaux a donc également été conservée. L'impression et le papier sont de qualité. Les onomatopées ont été parfois conservées, parfois traduites, mais leur style graphique a été conservé pour mieux les intégrer au dessin et respecter le trait du mangaka. Takahashi Tsutomu est un mangaka important et prolifique. Connu dès 1987 en faisant partie des présélectionnés au concours des 4 saisons organisé par le magazine Afternoon. Il publie en 1989 le one-shot Jiraishin, puis la série éponyme de 93 à 2000. En 98, il œuvre au dessin du One Shot Angel's Share.
En 99, il sort le One Shot Alive. De 2000 à 2002, il bosse sur la série sportive Tetsuvan Girl et attaque également la série Sky High, puis Bakuan Reto, ainsi que le thriller Blue Heaven. Route 69, Neunundsechzig, comme on dit chez moi, Dead Flowers, Sido, Muyung Kagenashi, une suite pour Jirashin, de nouveaux volets de la saga Sky High, un spin-off de Sido, des artbooks, des films live, des séries télévisées, un peu d'animation, de musique et même de la comédie. Est-ce qu'il lui arrive de dormir à cet homme-là? Un brin rebelle, doté d'une forte personnalité, Takahashi aborde sans complexe et de façon tout à fait unique les thèmes qu'il aime, comme les motards, les anti-héros tourmentés ou la mort. La force de cette uchronie récite dans une théorie imaginaire selon laquelle Adolf Hitler aurait eu des enfants, parfaitement ancrée dans un contexte historique réaliste. On retrouve des figures historiques célèbres comme Himmler, Goebbels, Adolf Hitler, l'inquiétant docteur Ulrich Neustadter, des lieux importants de l'Allemagne nazie, des tenues civiles et militaires de l'époque. L'atmosphère très sombre et malaisante du trait de Takahashi sert parfaitement cet univers. Les actions des protagonistes sont motivées par leur caractère, leurs valeurs, leur vécu, et on sent une grande richesse dans cette construction des personnalités, qui a un impact fort sur les événements et les interactions. On va croiser d'autres enfants survivants et leurs gardes du corps, et être confrontés à différents points de vue sur l'œuvre de Hitler et son régime. Fanatisme, loyauté, haine, dégoût. Neun pose les bases d'une série sombre et intense, course-poursuite pour la survie, dans une Allemagne où fanatisme, horreur et barbarie font régner une atmosphère pesante. Un premier tome dans lequel on se plonge et on ressemble troublé, ayant hâte de connaître la suite et l'issue. En lien avec ce titre, je te propose de lire Hitler de Mizuki Shigeru, qui pose une vaste question. Qui était Hitler? Une biographie qui déroule les événements qui ont conduit l'Allemagne au chaos. Ensuite, la bande dessinée Block 109. Et je sais plus dire 109 en allemand. Je me suis arrêtée avant les nombres dans les 100. De Vincent Brujas et Ronan Toulouat. Cette uchronie nous projette en 1953. L'Occident est pacifié par le Troisième Reich, mais la guerre continue contre l'armée rouge. Sur fond de guerre bactériologique, les férus transforment les Sommes en monstres. Cette BD imagine une version différente de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle Hitler est assassiné, mais le Troisième Reich perdure avec un besoin perpétuel de conflit. Pour terminer, l'anime Jinro, la Brigade des loups, d'Okiura Hiroyuki. À la fin des années 1950, le Japon est germanisé, grand bien lui en face, après avoir perdu face à l'Allemagne nazie, et connaît des mouvements sociaux importants. Et voilà, c'était Hedaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Neun. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors, j'ai pensé un truc pour le tournage de Neun. Voilà, un peu comme ça. T'en penses quoi? Ça colle? Peut-être un peu too much.